Salut YouTube. Salut YouTube. Bon, on était là. Souvenez-vous. On était là. Et je crois qu'on a. Voilà, des petits trucs à récupérer. Rien de bien folichon. Il faut quand même que je fasse le plein. Je me souviens sur la rediff. Attends, mais si tu te souviens sur la rediff, c'est bon signe. Hop, on va faire le plein de ça. On va. Attendez, il faut que je me mette le jeu moi en grand. Parce que là, actuellement, je l'ai en petit. C'est assez trop. Bon, voilà. Alors, j'espère que le son est bon de votre côté. On va faire ça. Ça il m'en faut. Ça il m'en faut. De bons outils. Ils ok. Bon, tant mieux. Des balles de fusil. Hop. Ok. Bien qu'il y avait des petits trucs là comme ça très utile. Et Wisebot qui répond. On peut améliorer la stabilité du fusil à pompe ou le recul du pistolet. On va faire le gros. Je pense qu'on va faire le recul du pistolet. On a mis tellement de temps à l'améliorer que bon, il serait temps. Allez, on est parti. Alors du coup, je me souviens plus exactement de ce qu'on devait faire. Tout ce que je sais, c'est qu'on doit fuir. Des trucs, je sais, j'aurais pu tirer à l'arbalète, tout ça. Bon, où est-ce qu'il est ce putain de matos? On va faire le tour. Convalescence. Très bien. Très bien, très bien. Du coup, on a des trucs d'arbalète. On va prendre, hein. Bien sûr qu'on prend tout. Qu'est-ce que. Ici, on est déjà full. On peut améliorer vitesse de. Ah, vitesse de quoi? Vitesse d'utilisation des kits médicaux. Et durée d'élan. De l'élan est prolongée. Ok. Il faut qu'on améliore ça, du coup. Et après ça. J'en ai marre de ces conneries. Y'en a marre. Putain. C'est cassé les couilles, hein. J'y pépé deux là. Bah moi non plus j'y pépé. De ça là. Un moment ça va bien quoi.
On sait qu'il y en a un qui va sortir de là. Voyons ce qu'il y a ici. C'est pas vrai. Faites que je trouve une ambulance sur le parking. Il y en a pas qui sort de là. Étonné. Ici on peut le faire. Oui. Tout ça, ça se casse. Ok. Et du coup, il n'y a plus rien là-dedans. Arme au corps à corps, tuyau silencieux amélioré. Là, on a confection et ensuite durée de l'élan. Donc, on s'en fout des déplacements visants. Munitions de pistolet de chasse supplémentaires. Des déplacements à terre. On va améliorer ça quand même. Urgence. On va s'en prendre un gars là. Vous le savez hein. Il y en a un qui va se relever. On va chier dessus. Allez, lève-toi toi. Non ? Là-bas, oui, il y en aura un. Oh, bah, juste là. Juste là, 100%, il y en a un. Full zbul. Personne ne vient. Scripter tout ça, hein. On le sait. Hein. Ah, attendez. On peut faire une amélioration. Non. On peut faire une amélioration en plus. Éviter des déplacements de ça. Confection. Science, augmente la durabilité. Et tuyau explosif supplémentaire. Alors, on s'occupe de ça. Vous voyez celui-là hein. T'as de la chance toi. Ah oh, il va sortir dès qu'on va voir ça. Allez, trouve quelque chose. Nada. Faites que je trouve une ambulance sur le parking. C'est très glauque quand même. Ça y a pas à dire. Niveau glauquitude. Ah, ça, ça doit être la suite. On va éviter d'aller par là. Qu'on fasse le tour d'abord. Et que ça. Dire absolument rien.
En fait, là-bas, je suis pas sûr que ce soit la suite, mais je pense que c'est fermé. Donc bon. Attends, ici, on pourrait y passer. Oui. Madame, monsieur, nous n'aurez pas le droit de nous traiter comme ça. Je sais que de nombreuses personnes sont malades, mais j'étais ici, me séparer de ma femme est inacceptable. Voilà. C'est-à-dire que je suis sans nouvelles. Le médecin a appliqué une pommade sur ma morsure. Il disparu, j'ai mal. J'ai l'impression que ça empire. Merci de remettre ce message immédiatement à votre supérieur, cordialement, Don Carter. Je me suis réveillé affamé, mais je ne peux rien avaler. Pas même de l'eau, j'ai l'impression que ma maladie va exploser. Les cris à l'extérieur n'y arrangent rien. Pourquoi m'avoir enfermé ici? Il faut que je voie quelqu'un. Je veux voir Sacha. Ma femme me manque. Sacha, à l'aide, mal à penser, à peine écrire. Dors pas, trop faim, doit sortir. Faim, mal aux yeux, Sacha. Bordel, dans quoi j'ai atterri? Pire hôpital, ça, hein? Dégueulasse. C'est ignoble. Arrivée des ambulances. C'est quoi ce bordel? Oh, panique pas. Prends le pédou, c'est tire-toi. Tellement rien. Y a tellement rien. Des ambulances ouvertes. Ah si, une ambulance là. Oh, y a rien de toute façon. Bingo. Oh, je sens qu'il y en a un qui va nous sauter à la gorge. Ici aussi. Ok, bah, du coup c'est là. Oh Dieu merci. Lève, on a gagné le jackpot. On se casse. Je regarde pas derrière. Oh le gros. Oh putain le gros. Oh il est pas beau celui-là. Casse-toi le gros. Oh putain. Mais qu'est-ce qu'il me veut le gros? Je suis mort. Juste mort en fait. Thank you.
Il y a 50 têtes et 100 membres, j'avoue. Comment je le bute par contre? Ça va être chaud ça. Oh, je l'avais pas vu ça. Ah c'est Ah ouais, c'est C'est ouais. D'accord. C'est relativement violent, c'est ouais. Ok, c'est ça. Plein de choses, je suis désolé. Mais je suis bloqué là. Oh putain, merde. J'ai l'impression que le feu ça lui fait rien. Je te kick un fiche. Je te vois. Que je le bute comme ça là, en mode petit à petit. On fume celui-là. C'est quoi celui-là? Vous buterez tous les deux.
pas sûr de ça, vraiment. Il se cache dans l'eau, putain. Casse-toi. Plus de balles. Il est pas mort le petit hein. Il y a toujours moyen de sortir mais j'oublie tellement de choses. Il y a tellement de choses que j'ai pas pris. Je m'en suis sorti quoi. J'ai réussi à me démerder avec le peu de trucs que j'avais. C'est ignoble. Ignoble. En fait, le plus horrible, c'est d'entendre la souffrance de ce truc. Les infectants fusionnés. Ouais, un peu, c'est un peu ça. C'est un petit, ça va. Il est encore vivant. C'est gratos. Bon allez, je fais le tour en mode lent. Je suis désolé pour ceux que ça stresse, etc. Mais moi-même, ça me stresse. Hein. Pensez-y. Hein. Je suis une flippette. Hein. Je pense que vous l'avez vu depuis le départ. Tu ne veux pas avoir peur. Imagine les faire la chorégraphie pour fusionner comme Dragon Ball. T'es qu'un con. T'es vraiment qu'un con. Hop.
Alors ici, est-ce que j'oublie des choses? Ça a pas l'air. Bon, je sais pas si c'est vraiment très rapide. Ah là-bas j'ai déjà fait. Oh, il est passé au-dessus. On va se le bouffer un moment, vous le savez. Oui, tombé, je crois qu'il allait se réviser. Ah, pareil. On va se le bouffer. Reviens là. C'est moi qui te chasse, c'est une lag. Pas content. Ta gueule! J'ai pas ton temps, je t'ai dit. Quel endroit de merde. Oh, je voulais pas me le taper plus longtemps. Je suis désolé de l'avoir chase. Mais je voulais pas me le taper vraiment pas. Me le taper plus longtemps. Meurs à un moment, tu m'étonnes. Juste die quoi. Peut-être utiliser moitié moins de balles pour le tuer lui que le gros, mais le gros on comprend pourquoi on le tue en autant de fois, tu vois. Oh, t'as un petit, tu fais pas chier quoi. Casse pas les couilles. Ça aurait été encore quelques... Je pense quelques mois avant, je pense que j'aurais pleuré. Et j'aurais été tétanisé. J'aurais rien fait. Là, j'ai eu les balls de le suivre. On est tombé où? Déjà. Je sais pas d'où on était. Ah, on est tombé de là. Ah, on est tombé de là. Ok. On va faire le plein. Hein. Hop, on va faire... Non mais j'ai compris. Hein. J'ai compris que c'est pas. Ok. En tout cas, c'est bien. Il y a des nouveaux types d'infectés. On comprend que, en fait, ils mutent avec le temps. Voilà, ça c'est sûr et certain. Ça a été dit dans le premier. Et du coup, le fait qu'il mute avec le temps, ben là, ça fait quand même beaucoup d'années que qu'il mute. Quoi. Juste.
Putain. 2 heures, hein, on avait. Hein. Amis sont absolument partout. T'as trouvé ce qu'il nous faut? Ouais. Il faut qu'on trouve le moyen de se tirer d'ici. Mais... viens, suis-moi. Salut Alice. Salut. Caresse-la. Vas-y. Là, tu vois. C'est fait. Tu peux aller la voir si tu veux. S'en tirer. Oui, on dirait. Salut, toi. C'est des gosses. Je sais. Qu'est-ce qui nous est arrivé? On a peut-être arrêté de chercher la lumière. Peut-être. Je vais voir comment elle va. Ok.
Owen ? Yakma. Qu'est-ce que tu fais debout ? Je changeais les pansements de Yara. J'en reviens pas qu'elle soit sur pied. Normal. Les scars sont des durs. Pourquoi ils s'engueulent ? Je t'emmerde, Yara. Jamais je t'abandonnerai. Lev veut rester à Seattle. Owen leur a proposé d'aller à Santa Barbara. Ça, c'est tout, Owen. Je pensais que tu réussirais à le convaincre de pas y aller. En fait, je pars avec eux. Je ne veux plus te voir. Quoi ? Il a peut-être gobé ton numéro avec les gosses. Mais moi, non. Tu crois que je fais semblant ? La meilleure tueuse d'Isaac qui s'en tige de deux scars ? Rien à voir avec Owen ? Pas vrai ? J'ai fait des erreurs, je le reconnais. T'es une ordure, Abby ! Tu l'as toujours été. J'en ai marre de toi. Tu veux les aider, ces gosses. Dégage de leur vie avant de la foutre en l'air. Abby. Chouette t-shirt. Est-ce que ça va ? Ça va, ton bras ? Bah, c'est déjà mieux que ce matin. Lève, s'est calmée. Ça ira. Oh. Tu veux bien m'aider à le chercher ? Il était très énervé. Bien sûr. Il est parti par là. Lève ! Lève ! Reviens, s'il te plaît ! Pourquoi Lève veut pas aller à Santa Barbara ? Il s'inquiète pour notre mère. Il a peur de ce qui pourrait lui arriver à cause de nous. Et il a raison de s'inquiéter ? Il devrait d'abord s'inquiéter de sa propre sécurité. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal à votre mère ? Il arrive que les parents soient tenus responsables des péchés de leurs enfants. Mais notre mère suit les règles. Tout ira bien pour elle. Y aurait moyen de faire quelque chose ? Pour l'aider ? Il ne pourra pas la convaincre de partir. Personne ne le peut. Et j'ai peur de ce qu'elle pourrait faire à Lev. Lev ! Lev ! Je suis désolée ! Lev ! Tiens. Je me demande s'il a vu ça. Il adore les requins. Il adore les requins, mais il déteste l'océan. Vous avez beaucoup discuté, on dirait. Il faut croire que ça rapproche d'échapper de peu à la mort. Tu as entendu ? Lev ! Hey, n'aie pas peur. Tout va bien. Elle veut jouer, c'est tout. Salut, ma belle. T'as trouvé quoi ? Elle te fera pas de mal. Tiens, regarde. Va chercher, ma belle. J'ai
J'ai l'impression qu'elle veut que tu le relances. D'accord, encore une fois. Oui, t'es rapide. Tu veux essayer ? Je crois pas que ce soit une bonne idée. Elle ne va pas me mordre, hein ? Non, pas de danger. Je peux recommencer ? Je crois qu'elle demande que ça. On devrait continuer de le chercher. Lève ! Pourquoi il fait ça ? Je me demandais, tu crois qu'il pourrait convaincre ta mère ? Si elle le voyait comme ça, elle lui sauterait dessus pour l'étrangler. Qu'est-ce qu'il t'a raconté ? Pas grand-chose. J'ai entendu les vôtres l'appeler... Lily. Pendant longtemps... je n'ai pas compris pourquoi il remettait en cause nos lois... nos traditions. Quand il... m'a expliqué ce qu'il ressentait au fond de lui. Je lui ai dit qu'il ne devait en parler à personne. J'espérais que c'était seulement passager. Il a eu l'air d'aller bien après ça. Puis il s'est rasé le crâne. Comme le font les hommes. C'était du suicide. C'est là que vous êtes partie. D'abord, je lui ai crié dessus. Je l'ai frappé. J'étais une imbécile. Hey, j'ai une idée. On va trouver un cadeau pour Lev. Allez. Et qu'est-ce qui l'a poussé à le faire ? Je veux dire, se raser la tête. La semaine dernière, on lui a attribué son rôle au sein de la communauté. Il voulait devenir un soldat comme moi. Mais ils ont décidé de le marier à l'un des anciens. Pauvre gamin. C'est où Santa Barbara ? C'est en Californie. Et la Californie, c'est où ? Je vais te montrer. Là, c'est Seattle, et là, Santa Barbara. Et notre île ? On la voit pas, mais elle est par ici. C'est tellement loin. Ouais. Tant mieux. Il doit bien y avoir quelque chose qui traîne dans le coin. Non.
On peut trouver mieux que ces t-shirts. Ça, c'est mignon. T'as trouvé quelque chose ? Non. Continue à chercher. Ça t'en dit quoi? C'est parfait. Mais elle a tort, tu sais. T'es quelqu'un de bien. Tu me connais pas. J'en sais assez. Abby, tu pourrais arrêter de piquer mes affaires, s'il te plaît. Désolée, je savais pas que tout dans l'aquarium t'appartenait. Bah c'est... mon aquarium. Mes affaires. Je rigole. Tu prends ce que tu veux. Toi, non. Est-ce que tu as vu Lev ? Oui. Dans le couloir, là-bas. Ok. Je peux te parler ? Je te rejoins. D'accord. Elle ne comprend pas mon humour. Nul avec les gosses. C'est clair. Mais t'aimes bien, toi. Alors, tu viens à Santa Barbara, hein? Je peux pas. Pourquoi? Tu sais pourquoi. On trouvera une solution. C'est trop tard. Non, pas du tout, écoute. Je sais. Je sais que c'est le bordel. Je sais. Mais on peut être ensemble. Happy. On peut être heureux. T'as entendu ? Il veut la retrouver. Qui ça ? Sa mère. Elle va le tuer, Abby. Le bateau est prêt ? Pas encore. Dans combien de temps ? Quelques heures. Merde. On va le rattraper. On prend un bateau à la marina. Hé, elle vient de se faire opérer. Je vais bien. Elle doit m'aider à le retrouver. Je viens aussi. Owen ! C'est dangereux, là-haut. Oui, justement. Je vais pas la laisser y aller seule. Tu restes ici. Je peux t'aider. Ouais, en commençant par réparer ce putain de bateau. Reste là où t'es plus utile. Yara, on y va. Voilà la marina. Tu te sens bien ? Ça va. Ok. Et Wolf utilise cet endroit ? On y amarre quelques-uns de nos bateaux. Ok. Bon,
Allez. Ça faisait un moment que je parle pas, du coup. Avec les cinématiques, tout ça. Oh. C'est trop loin. Descend. Comment je peux passer par-dessus? C'est non. Ah bah non, c'est la mort. Mais en plus, je le sais, hein. Je l'ai dit, hein. Je l'ai annoncé, hein. C'est la mort, ça. Mais non, faut que je le fasse quand même. Bon, comment je vais pouvoir faire? Je l'ai dit, je l'ai annoncé, c'est la mort, mais je le fais. En fait, j'aurais bien aimé. Oh, c'est trop loin. Peut-être faudrait que je puisse passer en dessous là. Viens. Je te rattrape. Je vais y arriver. Et là, tout tombe. Continuons. Ah bah saute. Fais gaffe. Comment on fait? Allez. Ton village sans se faire tuer. Ça te fait rire, Jababa, hein. Je connais des endroits le long de la côte où on pourra accoster discrètement. Ensuite, on prendra des petites routes. Elles sont sûres? Plus que les autres, en tout cas. Tu crois que Lève finira par changer d'avis? Non. Ça devrait être venu. Je devrais pourtant savoir ce qu'il y a. En même temps, c'est sa mère. Ok, est-ce qu'on a des choses à craft ça déjà. Comment on fait pour aller à la marina? On dirait qu'on va devoir faire le tour. Ok. C'est par là. Évite au max de mouiller ton bras. C'est trop tard. Tu me dis que c'est trop tard. Pas dans l'eau depuis tout à l'heure. Limite à la plongée, tu sais. Par ici. Quoi par ici? Oui, je sais. En vrai, non, je ne savais pas, mais bon. Attends, je m'en occupe. On rendez compte quand même qu'elle a des bras plus gros que Joël. Sont énormes, ouais. Énormes et secs, comme Thibaut InShape. Les bateaux sont de l'autre côté là-bas. Il faut qu'on remonte et qu'on retourne par la route. Ok, ça marche. Viara. La donne sur Bibi, grave. Ma petite bonne. Je suis sûr, elle prend du thé vert.
Tout ce qui est vie, tout ce qui est accessoires, j'ai full. Par contre, ce qui est munitions, c'est compliqué. Bah, fanatique. Fanatique. Et on se remet de full life. On a de quoi reprendre la vie, donc on en profite. Pour qu'on prenne la route. On peut aller par là. Ah, c'est non. Par là. Un bateau et je te récupère. Non, je vais t'aider. Pas cette fois. Je m'en charge. Ok. Ok. Allez. Et merci Jababa qui regarde des pubs en même temps. On a vu qu'il y en avait un par là. Hein. Ça bug YouTube. Ah, ça bug, comment ça? Comment ça, ça bug? Baisse-toi! Allez, pourquoi t'es là? Manny? T'es venu seul? Ouais. Merde. Ce sniper, c'est un putain de pro. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Les canons, on devait attaquer l'île cette nuit. Et ce pendejo s'est pointé. J'ai envoyé un gars chercher de l'aide. Les renforts vont arriver. Enfin, j'espère. Il me faut un de ces canons. Maintenant. Pourquoi? Plus tard, les questions. Dans ce cas, il va falloir que tu m'aides à le descendre. On y va. Stop, bouge plus. Steve va buter toute mon équipe. T'inquiète, on va le choper. Putain d'un truc merde. Il est trop loin. Garde les munitions. Putain, il est rapide ce mec. Allez, allez. De quels intrus tu parles? Ça fait quelques jours qu'ils ont débarqué de nulle part. Ils font un max de dégâts. Pourquoi? Qu'est-ce que j'en sais? Par ici! Si. Oh, c'est un vrai pro lui hein. C'est pas bon en tout cas hein. C'est pas certain, hein. Quand il m'a mis tarif. Il y a des vidéos et le site crash. Ah merde. Après il y a un problème avec le site de YouTube, c'est qu'il bug beaucoup. Yes. Il a de la vie. Vite.
Oh merde. Allez, j'y vais. Je le vois, hein. Vous le voyez aussi, hein. Si je pouvais. J'aurais déjà mis une balle. On y va ! Maintenant ? Oh. Constamment. On va faire ça, hein. Allez. Hey, par ici. Ça. Je m'en mets full life quand même parce que. Ah, le bâtard. Tinga, la rue est impraticable. Merde. Il est si fort. C'est quoi le plan? Viens, on va dans le garage. On peut se servir de ça. Vas-y, je te suis. Allez. On est où? Chariot tombe en morceaux. Faut y aller. Allez, allez. Mais c'est bon. Sans déconner. C'est ces intrus qu'il faudrait attaquer. Les palais. Putain d'île. Putain. Quoi, l'assaut est maintenu? Peut-être même qu'il a déjà été lancé. Merde. Il est balèze de ouf, hein. Hop, on va améliorer ça. Moi, je lui casse la gueule, hein. Parce que autant, hein, à longue distance, c'est un boss. Mais alors, au corps à corps, je vais lui mettre une mine. Mani. On dirait moi sur ce logo. Ouais, ouais, vite fait. On dirait toi avant sur ce logo. Bordel. Il les attire vers nous. Prépare-toi. Rester debout une seconde, quoi. Moi, je le vois là. Abby, les escaliers là. Oh, ouais, les escaliers. Je pourrais tellement lui tirer dessus de là. Tu peux rester machin et lui tirer dessus d'ici. Désolé. Il est où? Il est où?
faire, ça juge. Grave. Merde, il recommence. Les infectés qui meurent pas au bout de 3 balles. Hein. Salut Kyoshi. Ça va, ça va. Et toi ? Oh putain, mais... vraiment au pixel près. Fils de pute. Le gaz me bloque, je suis bloqué. Super, j'avoue, j'avais la peine de venir avant, je vais faire quelques games. Pas de problème. Faut qu'on atteigne le pont avant qu'il s'échappe. Ouais. Mais putain, pas le temps de bouger, il me défonce. Tire encore. Continue. J'ai hâte d'avoir ce type en face de moi. Ouais, pareil, hein. J'ai envie de le défoncer. Ami, par ici. Merde. Vas-y, je te couvre. Vas-y. T'étais content encore. Il est passé où? Il peut pas être loin. Peur. Le P est en vacances. Oh, putain. À terre ! Et merde ! Putain. Il est doué. Hey ! Ça pique, c'est moi, ça ! Il est juste là ! Allez, 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 allez ! Surtout, t'arrêtes pas ! T'es foutu, Pendejo! Il
crois que je meurs. Allez, pousse. Pousse. Mani. Ça, c'est un des types en moins qu'aurait pu tuer Ellie, tu vois. Il est là-bas. Ça me rappelle le Jap à volonté qui est vers chez moi. Ça me donne faim. Merde, fais chier. Et on rentre à l'aquarium. Allez, on prendra le bateau. Par où ? Suis-moi. Ils sont où ? Y a pas de garde ? Non, il n'y a pas de ce côté-ci. Bon, si c'est Tommy, ça va. Il peut tirer. Regarde. Il peut le fumer. C'est le bateau de lèvres. Non, il faut qu'on le rattrape. Tu sais où il va ? Oui, chez nous. Notre mère se trouve là-bas. Est-ce que sans blague. De l'autre côté de l'île. De l'autre côté de l'île, putain! Si on se fait repérer, on va éviter les grosses routes. Personne ne nous verra.
T'es sûr que les Wolves ont attaqué cette nuit? Ouais, c'est un ami qui me l'a dit. Ils vont profiter de l'orage pour passer inaperçus. À moins qu'Isaac change d'avis. Votre chef, Isaac, qu'est-ce qu'il veut? Mettre fin à la guerre. Oui, mais à quel prix? Au point où on en est? À n'importe quel prix. En haut. Tu vas réussir à monter? C'est le plus rapide. On va se casser la gueule. Elle est forte quand même, hein. Franchement. En vrai, elle est balèze, hein, la petite. Putain, moi je le sais pas. Hein. En vrai, si, je dois pouvoir le faire, mais je flippe trop de le faire. Dimanche 5h, Scott et moi avons débarqué sur le côté. Attends-moi, toi, la nuit. Allez, tu sais, c'est bon. Je peux encore raser, reconstruire le secteur. Pour toi, c'est vraiment bon comme rendez-vous. Abby, okay. Pourquoi est-ce que tu nous aides? Lev m'a posé la même question. C'est juste que vous méritez pas ça. Et puis, je sens que j'en ai besoin. Je dois le faire, ça. J'aurais vu avant, c'était Tommy, j'aurais fait vas-y, il meurt. J'aurais donné l'autre, quoi. Oh non. C'est quoi ça? C'est notre signal d'alerte. Les Wolves sont là. Toute l'île est en alerte maintenant. Il faut qu'on se dépêche. Tu fais chier, Isaac. On va passer par le camp des bûcherons. Et sur moi. Combien de personnes vivent ici? Un millier. Et que fera l'autre moitié quand les Wolves vont débarquer? Certains iront se cacher, mais les autres vont se battre. Attends. Attendez, changer de munitions. Je peux brûler tout le monde et un où je peux les tuer discrètement. Ça me plaît beaucoup. Ce combo là. C'est bon. C'est sûr, hein. Il y a personne ici. Ils sont allés se battre. Oh bah alors je suis plein, hein. Hop, on s'en fout. Désolé, hein. Moi, y a tout ce matériel là devant moi. Même si je suis en pleine infiltration, je fais que, hein. Aucun répit. C'est des ennemis après tout. Hop. À la guerre comme à la guerre, comme on dit. Hein? Puisse sa lumière nous guider dans la tempête. Quand tu es dans les ténèbres, cherche la lumière. Qu'est-ce que tu dis? Un truc que mon père disait souvent. Le mec, il fait ses courses, bah ouais. Grimper là-haut. Bah je veux bien grimper mais en fait tu veux grimper de quel côté? Ah putain, tu veux que je pousse ça là? C'est une balle de colt avec un ciseau. En fait c'est pas vraiment une balle de colt.
C'est genre une... En fait, c'est des fausses munitions. Quand tu les crées, ça fait comme si c'était des vraies balles. Mais en fait, c'est un peu comme si tu mettais plein de trucs dans ton... plein de trucs dans ton canon et tu les lançais, en fait. C'est pas des vraies balles. Et apportez-les dans l'abri, vite! Je pourrais tellement tuer. C'est pas bon. Comment on peut passer? Le portail sera fermé. Par la Syrie, le grand bâtiment à droite avec les torches. Ça mène vers l'extérieur? Oui, on peut couper par là. Parfait. Oh merde. Vide ton esprit. La nuit promet d'être longue. N'oublie pas, c'est en étant faible qu'on peut trouver notre véritable force. Pour le bien de ton peuple. Donne-moi cette arme. Toi, t'es tout seul. Voilà, merci. Et l'autre a dit rien, le fait que je bute très certainement des gens proches d'elle, quoi que ce soit. Tellement de choses, ça c'est un plaisir. Des déplacements visants, des déplacements à terre. Et la dernière, c'est quoi? Sur un supplémentaire. Pas vraiment utile pour le coup, mais on dit jamais non. D'accord, que la flèche elle fait. Oui. Oh, attends. Je sais qu'il y en a un là-bas.
Dégagez! Tu veux brûler? Aussi? Ouais, ça fait un peu de chaleur. Écoute, il pleut. C'est bien, un peu de chaleur. Clairement. Ça me fait rire. Oui, c'est ça dit. Totalement. C'est fini. Ouais, je crois aussi. Oui. Est-ce que ça va? Oui, juste un peu essoufflé. Juste un peu essoufflé. Putain, t'es bien, attends. Ouais, je viens de tuer 20 de mes anciens meilleurs amis. Mais tout va bien. Genre, je me porte bien. Alors, c'est la fête, hein. Ouais, c'est plaisir. Ça m'a fait du bien, écoute. C'est un défaut. C'est un défaut. Tac. On va refouiller, hein. Mais TMTC que ici, dans ce bâtiment, il y avait de quoi faire. Oh là là, on est full en munitions de fusil à pompe. Où est-ce qu'il est le truc? Le truc de vie, s'il vous plaît. Allez, on va fouiller. It's time. Tout fouillate. Fouillate. Donc ça, on a dit, on a fait le tour de ça, de son endroit-là. Non. Ensuite, on a cet endroit-là. Tac. Oh oui. Ah non, non. Marteau, c'est moins intéressant qu'une bonne vieille hache. Hop. Tac, ça. On a déjà fait le plein, ça me plaît. Et ensuite, on a ça. Ok. Bah, je pense qu'on est bon. Donc faut passer par ce bâtiment pour aller à ton truc, c'est ça? Bah, franchement, on aurait pu habiter là, quoi. On va améliorer ça. Hop, je me pose bien. Pour être bien.
Je vous le dis, je continue après minuit. Ce soir, je continue après minuit. On continuera jusqu'à à peu près 2h si vous êtes chaud. On verra en fonction de s'il y a du monde ou non. Hier, j'ai pas pu. Tu m'as mort en fait ? Non. Non, je vais juste continuer. J'aime trop le jeu. Hier, j'ai pas pu stream hier. Parce qu'il y avait F1, tout ça. Et du coup, compliqué. Le bateau, il nous a toujours pas vu. Baisse-toi. Ils sont sur notre territoire. Donnons-leur ce qu'ils méritent. Par la force de son amour, nous survivrons. C'est juste malade, en fait. C'est ça, le truc. C'était Limi. Par où, maintenant ? On va passer par le chalet, droit devant. Yara, au camp des bûcherons, où est-ce qu'ils emmenaient les enfants ? On a des abris un peu partout. Si jamais ça tourne mal, ils leur font quitter l'île. Tant oui, bah... Je savais que ça arriverait. Attends. On n'a plus rien ici ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? La brigade de chasse est partie, machin, Céliato a bien nous protège. Les munitions du bâtiment de la vieille ville a causé beaucoup de bruit de poussière avec un signe d'activité des vols, machin, tout va bien. Symbole séraphite. Célia bruine aujourd'hui. Visibilité acceptable. Les bateaux de pêche en rentrent plutôt, machin. Ok. Et ça du coup on peut pas l'utiliser. Dommage. Je t'accompagne dans ta douleur, mon petit job. Et je t'occupe pendant que t'as mal. C'est gentil, non ? D'ailleurs, t'es en arrêt de travail, du coup, ou tu taffes quand même ? Ouais, ça veut dire que tu taffes, toi. Je taffe, monsieur. Là, comme moi, écoute. Hein. Chacun son travail. Tac. Franchement, ça c'est des grenades, hein. On pourrait les prendre. Non, je déconne, c'est des petites statuettes, je l'ai vu, lol. Dans la même boîte, j'ai jamais eu un arrêt maladie. Tant mieux. Minute fois 4 vitesse de rechargement, stabilité. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. On va prendre la stabilité. Stabilité. Ça, on peut améliorer aussi la stabilité. Ça peut être intéressant vu que c'est un pistolet de chasse assez vénère. Bien foutu. Oh là là, trop bien foutu. Qu'est-ce que vous en pensez? Notre
notre village est de l'autre côté de ces champs. Parfait. Avec une wolf! Tu vas nous le payer, Yara! Vers la gauche! Où elles sont passées? La chasse est ouverte. Trouvez où ils se cachent. Attention! Oh la pute! Ton bras. Ah que non, je récupère la hache. Oh, t'es une saloperie. Putain. Là, on souffre. Merci pour les munitions du coup. L'autre par contre, tu me donnes ces munitions là-bas. Pas toi, pas toi. Toi déjà, faut que je prenne ma flèche. C'est où? C'était là. Il y avait des munitions par là. Non, c'est pas là. Ah, c'était par là. Voilà. C'est par ici. C'est non. C'est par là, non? Là, je me trompe. C'est pas de cet endroit là qu'on est arrivé? Et que j'ai fumé un type genre juste là? Ah voilà. Ça me semblait bien. Elle simule monsieur l'arbitre. J'avoue, simulation. J'ai à peine égratigné le bras là. Pourquoi chasse.
Oh non. Tu as trouvé la paix. Adieu. S'agirait d'ouvrir les yeux, mademoiselle. Peut-être que vous auriez mieux. Vous auriez moins mal au crâne. Oh, c'était chaud. Faut qu'on aille au village. Oui, bah, tout doux, toi. Hein. Puis tu retrouves ta mère, mais quand même. Ça vaut pas aller où, tu m'étonnes. On était à peu près sur ça, sur ce niveau là de conneries. Ok. On va crafter ça. Sur un supplémentaire, on s'en bat un peu les steaks. J'ai trouvé la paix. Si on tue la mère de la gamine par erreur, je me chie dessus. Non, bah, ne tuez pas cette cible, sinon l'histoire est totalement changée. Et je la fous du fum. Où est-ce qu'elle est ? Arrêter de regarder derrière toi. C'est ici. Allez. Ton bras, ça va? Pas vraiment. Par là. Rien là? Ça régale, hein. Ça régale. Ah, si on tue une biche ou une putain de chèvre ou une brebis, est-ce qu'on a moyen d'avoir de la bouffe et de la vie? Je sais pas, t'as été sage. Thank you.
Yara. J'aurais jamais dû. T'en fais pas. Je suis contente qu'on t'ait retrouvé. On y va. Qu'est-ce qui se passe? Les Wolves? Ils ont envahi l'île. Ça va aller. Elle nous protège. On ne devrait pas aller chercher le bateau? Non. J'entends des coups de feu là-bas. J'entends des coups de feu partout. Il y a plein de bateaux à Haven. C'est à ça que je pensais. On peut couper par la vieille ville. Il faut éviter les routes principales. Oui. C'est loin, Haven. C'est pas tout près. Mais c'est notre meilleure chance. Continue à nous suivre. Ok, allez-y. Après, si l'île est petite, ça passe, quoi. Voilà, avec l'orage et tout. Au moins, tu sais que ta mère sera pas morte par les vols. Ou par ou parce que t'as fait une connerie. Ouais. Pom podom 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 podom. Ah, moi je passe par là. Hein. Moi je veux hein. Je vois les possibilités de cet endroit. Je me sens bien. Je m'y sens plutôt très bien. Pour la pluie, plus orage, plus me cacher, dans deux minutes j'ai disparu. Mais non. T'entends les bruits de les tirs, tout ça là. Yara, maman avait vraiment la foi. Je sais. Alors, pourquoi il a fallu que ça lui arrive? Avoir la foi ne rend pas immortel. La vie est une succession d'épreuves. Et Mickey. Mais même si elle te guide, arrête avec ça, bordel de merde. C'est en bas de la rue. À l'intérieur, vite. Arrêtez de croire que juste parce que vous êtes croyant, vous êtes immortel. J'espère. On vient de buter une tonne de ces saloperies. C'est quoi le plan? On se dirige vers la capitale. Occupez-vous des villages près des... Hey, venez tous par ici. Je crois que c'est un coffre. Sous la porte, vite. Oui bah vite. Hein? Du. T'as vu que ta mère voulait te buter? Oh non. Il faut quitter la rue. Ils ont tué la prêtresse. Abby, par là. Où est-ce qu'on trouve le groupe de garde? Du côté de la vieille tour à gauche. Éviter ce type? Ouais, on prend un autre chemin. La ruelle de l'autre. Les éviter, on peut les éviter. Allez. On va y tuer des wolves, hein. Même si moi, personnellement, je les tue jusqu'au dernier. Pour la mémoire de Joël. Mais ils ok. Il est côté d'Abby, donc pas trop. Tout le monde. On a besoin de toi. On y va. Allez. Et les gamins, ils connaissent vraiment toute l'île comme leur poche, quoi. J'en sais rien. Avance, c'est tout. Yara.
j'en ai un. Yara! Abby! Yara! Yara, debout! Écoute-moi, venez! Yara, je t'en prie! Lève, on doit y aller. Non! Allez! Non! J'ai vu quelqu'un! Je peux pas la laisser ici! N'approchez pas! Lâche ton arme, allez! Oh merde! C'est Abby, vous approchez pas! Ça suffit! Il faut que tu m'écoutes. Qui tu caches derrière toi? Il m'a sauvé la vie. Écarte-toi, on discutera à la base. Il n'est pas avec eux, je te le jure. Écarte-toi. Mais putain, c'est un enfant! Tu as 3 secondes pour t'éloigner de ce Scar. 1. Tu vas vraiment me tuer? 2. Je bougerai pas, compris? Putain de merde! Tu es là! Lève, on doit y aller. Elle est morte. C'est pas vrai, elle est morte. Lève, allez! C'était ton putain de groupe. C'est toi, mon groupe! Écoute-moi. Il va falloir qu'on se batte pour s'en sortir, ok? Et ensuite, il faut que tu nous mènes au bateau. On laissera personne nous arrêter. Ok? Ok. D'accord. Suis-moi. Tellement de monde. Lève-toi. Quasiment mis toutes les balles.
doivent pas être loin. Bon, on va la retrouver. T'es quand même mort. Lev, ça va? Tu suis? Ouais. Attends deux secondes. Je monte la garde. On va faire des munitions de fusil. Donc, on va devoir se démerder avec le peu de munitions qui nous reste pour le fusil. Bon bah c'est bon. Hein. Ok, Isaac est mort. Hein. Bah soit il est mort, soit il est bien amoché. Il a l'air clairement mort. Pas mal de route, putain. C'est des en disant. Toujours pas de pistolet. Ouais, c'est. Les deux sont discrets. Lève, baisse l'échelle pour moi. Let's go. Monte, petit. Combien de pourcents tu es du jeu à peu près? Je dirais 80% du jeu. Je dirais à peu près 80% du jeu. Bon, ça donne quoi? On m'a dit qu'en par rushant, en prenant son temps, on avait à peu près 35 heures de gameplay. Je suis à peu près à 30 heures. Donc on n'est plus très très loin. Et en plus là on est à journée 3 à Seattle. Jour 3, le soir, on a tué un machin. Le 4ème jour, on a retrouvé Owen et la fille. On les a tués. Et ensuite Abby est venue. Donc maintenant, on est en train de finir la 3ème journée. Et à mon avis, entre la 3ème et 4ème journée, le temps qu'on aille au truc, on va retrouver Owen et machin mort. Et ensuite, voilà. Voilà, donc on est plus très très loin, vraiment.
Mais très clairement, j'ai pas hâte de finir. J'ai juste hâte de retrouver Ellie, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai pas hâte de finir le jeu. Après, je sais pas si... si après Abby, il y a beaucoup de gameplay. Oh, c'est pas vrai. Oh. C'est Evan ? Ouais. Ce qu'il en reste. Lev, ils sont où les bateaux ? Au ponton. Derrière les incendies. Alors il faut qu'on y aille avant qu'il soit trop tard. D'accord ? Ouais. Pas question ouais. Qu'on crève sur cette île. D'accord. Allez, on y va. Donc là, on est le soir du troisième jour. Donc très clairement, soir du troisième jour. Par où on va ? Faut suivre les pas. Ok. Allez, suis-moi. Descends-les ! Mais ta gueule toi, putain! C'est ta merde! Putain, je te sauve la vie et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu me dis que je suis vraiment ingrat. C'est ta merde de finir un jeu. Non, si, il y a des jeux que j'ai vraiment eu hâte de finir. Après là, En fait, j'ai pas hâte de finir le jeu. Parce que je kiffe tellement le jeu que voilà. Mais j'ai hâte de le finir parce que ben justement il est trop bien. J'ai envie de voir la fin. Pas mal sur la mélodie là. Ouais ouais ouais. Oh lui il est heureux tiens. Celle-là, elle a amélioré. Celle-là. Une balle. Reste sur tes gardes. Oh oui, ça j'aime. J'aime. Oh. J'ai gâché une balle, mais j'en ai mis deux dans la tête, donc ça me plaît. Bon, on a une seule balle. Sure.
faire des munitions. Merci. Abby, j'ai une idée. Ouais, moi aussi j'ai une idée. Je vais mettre full life et prendre ça. Quel cheval? Oh putain, oui! Oh oui! Lève! Allez! Oui. C'est monté à cheval! Plus ou moins! Raccroche-toi! Ouais. Ya! Baisse-toi! Continue à me guider! Là, devant! C'est parti! Prépare-toi! Le cheval, c'est génial. C'est trop génial. Oh merci. C'est pas grave. On doit pas rester là. Vite. Par là. Les pontons. Ok. Il faut qu'on se casse d'ici. Abby, par ici. Allez. C'est la guerre. Il y a trop de monde là. Ils sont occupés. J'aime un peu petit. C'est trop beau de rester sur le cheval. Ouais. On passe pas par là. On dégage d'ici, vite.
j'y suis allé un peu trop vite. Tout petit peu trop vite. Comment je pourrais faire ? Ah, je peux passer par là ? Continue ! Le toit va bientôt s'écrouler ! Ouais, et du coup, je passe par où maintenant ? Abby. Lève ! Abby ! Ça va ! Allez ! T'inquiète, je suis juste dans un barbecue vivant. Mal ça. Directement dans la jugulaire. Ah, c'est dans les côtes. C'est trop cool, quoi. Résistant, monsieur. Ah, il s'est pris un truc dans la tête et il survit, quoi. Ah non, merci pour le... Ah, le gift, merci beaucoup, je vois, pour Kyoshi. Merci beaucoup. Putain, il résiste de ouf, hein. Mais casse-toi! Mais tu meurs jamais! Mais il meurt jamais! Il a la bouche ouverte, il a une flèche dans le cœur. Il survit toujours. J'appuyais? J'appuyais? Il va mordre. Il aurait mordu, il est mort sans y mettre. C'est grave. Est-ce que tout va bien ? Voilà, là on, c'est là que je vois qu'on s'approche de la fin. On n'a plus d'armes.
nous abriter de la pluie. Ouais. D'abord chercher un moyen d'entrer. Il y a de la lumière. T'es toujours avec moi, Lev ? Oui. On cherche ailleurs. Attrape l'échelle. Prêt ?
Galéa. Il nous a suivis. Attention, reste près de moi. Foiré de Jesse. Tu crois que je sais pas reconnaître de l'or? Attends de voir ça, mon petit salaud. Tu vas adorer. Main en l'air. Recule tout doucement. Recule, putain de merde! Tu fais une belle connerie. Ne te retourne pas. Garde-le bien en joue. Mets-toi à terre. Tu vas me tuer comme une lâche? Putain d'enfoiré. Jesse, lève-toi. Les mains en l'air ou je bute l'autre. Fais pas ça, Ellie. Fous le camp. Lève-toi, j'ai dit. N'écoute pas, je te dis. Toi, tu la fermes. Allez. D'accord. Arrête. Stop. Jette ton arme. Jette ton arme! Non. Non. Je sais pourquoi t'as tué Joël. Il a fait ça pour me sauver. C'est ma faute, y a pas de remède. C'est moi que tu veux. Relâche-le. T'as tué mes amis. On vous avait épargnés. Et voilà le résultat! Attends! Oh. Lâche-le! Tommy! Viens vite! Reste ici. Surveille les portes, la laisse pas partir. Il ne veut pas jouer cette partie! De ce côté! T'es qu'une merde!
Merde. Je te tiens. Reviens ici. Continue comme ça. Tu pourras pas t'échapper. T'es trop...
Mais Ellie, c'est Ellie, quoi. Mais je veux que ça se passe comme ça, moi.
chercher. Mais putain, c'est horrible, c'est trop dur! Montre-toi, espèce de lâche! C'est totalement ça, Kyoshi. Beaucoup trop dur. Je suis désolé, mais on va recommencer au moins 200 fois. Tu m'arrêteras pas! C'est terminé! Te voilà! Look!
Oups.
attention. Mais putain. Mais elle fout quoi? Thank you.
contre, ça, c'est scandaleux. Putain. Bonhomme, qu'est-ce qu'il y a? Viens là. Allez, tout va bien. C'est bon. Dina, je suis dans la cuisine. Oh, coucou, vous deux. Eh, merci pour la vaisselle. Mais plutôt de la musique, au lieu de me remercier. À vos ordres. On met un peu de musique? Ah, t'aimes le boogie? Ok.
trop bien! J'adore cette chanson. Il lui faut pas grand-chose à ta maman. Je suis avec toi, donc je suis pas très difficile. Ok. Regarde, c'était hanché. Tu veux dire ça? Ouais. Oh, regarde maman. Ouh. Oh. Salut toi. Ça me fait de l'effet, moi. T'es bizarre. Je sais, oui. Ok. Ok, arrête de me distraire. Oui, madame. Allez, c'est bon. Va-t'en. Ok. Oh, hé, je crois que j'ai laissé Oli dehors. Tu veux bien aller le chercher? Ouais, bien sûr. Tu veux aller prendre l'air? Ah. On va te rajouter là-dessus. Voilà, maintenant c'est officiel. Où il est? Je crois qu'il est sur le tracteur. Qu'est-ce que tu fais ici? Attends, bonhomme. Ouais, voilà. C'est joli, non? Eh, tu sais quoi? Un jour, je t'apprendrai à jouer de la guitare. Quand tes mains seront plus grandes. Et que t'arrêteras de faire caca dans tes couches. Ça fait rien. Tout le monde passe par là. J'aurai un tas d'histoires à te raconter quand tu seras plus grand. Beaucoup plus grand. Je sais même pas par où commencer. Allez, petit gars. On va aller voir maman. Je vais étendre le linge dehors. C'est bon. Tu crois qu'il faut lui mettre sa veste? Oh non, ça va.
Tu veux le caresser? Là. Voilà, c'est bon. Oh, 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 doucement, doucement, doucement. Comme ça. Et voilà. Oui. Coucou. Hey. Je peux le prendre. Tu peux mettre les moutons dans la grange? Non, c'est bon, je peux m'occuper des deux. Vraiment? Ouais. Il faut que tu te reposes. D'accord, tiens. Voilà. Allez. Voilà, t'es bien là. Tarde pas trop, hein. Il doit prendre un bain. T'inquiète, je suis une pro du troupeau. Eh oh, les moutons! Le dîner est servi dans la grange. Allez, on rentre. Flocon, dans la grange. Daisy, allez, dépêche-toi. Oh, t'as vu un peu tous ces moutons? Il y en a combien, à ton avis? On va les compter. Un, deux... Bon, je m'endors, alors on arrête là. Eugène! Allez, hop, c'est l'heure de rentrer. Todd. Bon, c'est quand tu veux, hein. Ah. Oh, ça fait beaucoup trop de moutons, ça. Bien joué, JJ. On a réussi. Allez, à demain, les petits potes. Hey, comment t'es sorti? Allez, petit gars. D'accord. Viens là. Allez. Je suis désolée. Je sais pas ce que... J'étais en train de... C'est cool. Tu sais, on commençait à s'ennuyer ici.
Hé, hey, t'étais où? Je sais. Ça m'a pris plus de temps que prévu. Qui est là? Oh, entre, tu verras. Aïe! Sacré poigne, mon bonhomme. Salut, Tommy. Oh, te voilà. Attends, je vais le prendre. Viens là, mon grand. Voilà. Je t'aide. Non, ça va, merci. Salut. Salut. Contente de te voir. Moi aussi. Eh, il pèse son poids. Je sais, mais c'est rien que du muscle. Ça va, en ville? Et Maria? Elle va bien. On a décidé de faire un break. Je suis désolée. Non. On en a beaucoup discuté. C'est ce qu'on voulait tous les deux. Ok. Assieds-toi. J'ai un truc à te montrer. Ça fait maintenant plusieurs mois que je mène mon enquête. Et j'ai trouvé un type qui a pu me renseigner. Il m'a parlé d'une femme qu'il aurait rencontrée quand il traversait la Californie. D'après lui, c'était une armoire à glace. Elle voyageait avec un gosse qui avait des cicatrices sur les joues. Il m'a dit qu'il vivait sur la côte, à bord d'un voilier. Juste ici. C'est forcément elle. On en a fini avec tout ça. C'est plus facile d'oublier. Maintenant que t'es bien installé ici. Hey. Elle va le payer cher. Tommy. C'est ce que t'as dit quand on est rentré à Jackson. Tommy. Des conneries, ouais. Tu veux bien le prendre? Ouais. Tu nous fais quoi, là? Rien. Bordel, Tommy. Tu sais ce qu'on a traversé. Arrête ça. Elle me l'avait juré. J'en ai rien à foutre. Ouais, je sais, Dina. Mais c'est bien ça que je te reproche. Écoute-moi bien. Vas-y.
Vieux m'a passé un savon aujourd'hui. Il t'a dit quoi? J'ai eu droit à un serment sur les patrouilles. Faut pas aller là, là-bas non plus. En fait, il est comme ça chaque fois que tu vas sur le terrain. Ouais. Elle a l'air de bien s'amuser. Je parais que dans 2 semaines, vous ressortirez ensemble. Ça, ça risque pas. Elle t'a parlé de moi? Plutôt 1 semaine. Ellie! Salut! T'en as mis du temps? Mais je suis là, non? Dina? Jessie? Viens. Vous couchez pas trop tard, hein, parce que demain, on se lève tôt. À vos ordres! T'es pas sympa. Arrête! Commence pas avec ça. Ok, j'ai une question très importante à te poser. Est-ce que je sens mauvais? On dirait que t'as dormi dans une poubelle. Oh, ok. T'aimes ça? C'est dégueulasse. Ouais, t'aimes ça. Famille ici. Désolée. Désolée. Vous savez que des gosses peuvent vous voir? Ouais, heureusement que t'es là pour nous montrer l'exemple. Génial, il nous manquait plus que ça. Une gouine avec une grande gueule. Qu'est-ce que tu viens de dire, Ellie? Hé hey, arrête. Fous le camp d'ici. Je t'interdis de me toucher. Hé hey. Ça suffit.
Allez, viens, on va faire un tour. Et eux alors? T'en occupe pas. T'as besoin d'un peu d'air frais. Tout va bien, Ellie. C'est quoi ton problème? Il avait pas le droit. Parce que toi si. J'ai pas besoin de ton aide, Joël. D'accord. Salut. Salut. Eh ben, ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait une nuit complète. Il a eu une dure journée. Ouais. Il va bien. Allez, reviens te coucher. On reparle de tout ça demain, d'accord? J'ai pas le choix, je dois y aller. Non, c'est faux. Tu dois rien à Tommy. J'arrive plus à dormir. Je mange plus, je suis pas comme toi, Dina. Quoi? Tu t'imagines que c'est facile? Si je tiens le coup, c'est uniquement pour lui et pour toi aussi. Je t'aime, Dina. Prouve-le. Possible. Alors quoi, je suis censée rester ici et attendre sagement ton retour? Passer des semaines, des mois, des années à me demander si t'es encore en vie? J'ai pas prévu de mourir. Ah ouais? Bah va dire ça à Jessie. Ou à Joël. Attends, arrête, attends. Reste, je t'en supplie. On a une famille. Abby a pas le droit d'être plus importante que nous. Non. Je refuse de revivre ça. À toi de voir. Ok, Constance. Maintenant, on cherche. On est venu ici la semaine dernière. Et dire que t'as échangé un pistolet contre cette info... C'est une piste. Ça m'étonnerait que ce type ait vu des lucioles ici. Arrête. J'ai un bon pressentiment. Pas moi, non. Allez. Mesdames et messieurs, ce sera pas de ce côté. Ce n'est pas fini. C'est les pères. Ce n'est pas fini. Oh putain. Eh ben c'est pas fini. Mais il est l'heure. On est, d'après ce que vous voyez là-haut, à 25 heures de jeu.
Ce qui voudrait dire qu'il nous reste environ 10 heures. C'est beaucoup, 10 heures. Beaucoup. Et bah du coup, on se retrouve bientôt pour un prochain live YouTube. Ciao, à la prochaine.